Eh bien, salut tout le monde, ZLK, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Fungi Island. Et vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir critiqué pour pas mal de choses. Donc, je vais poser un peu tout ce que je peux ici. On a encore une potion de résistance au feu, on va garder la bouffe. On va poser ces choses ici. Et on va repartir sur le volcan parce qu'apparemment, j'ai omis de faire quelque chose de très, 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 très intéressant. On va garder le lit, on va garder les pommes de terre au cas où. On va garder. On va poser tout ça ici. Normalement, ça devrait logiquement pas disparaître. Et oui, j'ai oublié apparemment quelque chose de très intéressant sur le volcan. Faudrait-il encore que je le trouve? Donc, option graphique, distance d'affichage, on va le mettre à 8. Ouais, 8, terminé. Terminé, reprendre. Et il faut retrouver le fucking volcan. Donc, je crois, si mes souvenirs sont bons, que c'était ici à droite. Et là, il y a des putains de chutes de FPS. En fait, d'après vous, et c'est pour ça que je vous l'avais dit, hein, je l'avais dit que j'étais pas très bon à Minecraft et que j'aurais sûrement besoin de vous. C'est pour ça que comment dire. J'ai perdu les mots. Cette série sera interactive dans le sens où, si je me pomme dans quelque chose ou quoi, vous serez là pour m'aider et je crois que la nuit va pas tarder à tomber. Donc on va oublier cette idée dans l'immédiat, on y retournera au volcan. Et là-bas, il y a autre chose aussi. Bon. Et beaucoup m'ont dit que ça a l'air d'être une entrée de mine, donc il vaudrait mieux essayer de miner. Non pas comme Bernard. On va déjà enlever ça. De toute façon, le but, moi j'avais dit, c'était de trouver les 5 principales structures. Comme là j'étais en solo, on va dire que c'était pas. Le but principal, c'est pas non plus de découvrir tous les secrets, même si il doit y en avoir forcément. Mais c'est pas forcément mon but premier. On va prendre ça. On va mettre ça. Ici, on va faire un four. Voilà. Putain, j'ai que 7 charbons. Hop. Si on met du bois dans le four, ça fait pas des. Je sais pas quoi là. Putain, comment on faisait déjà? Putain, je suis vraiment nul. C'est pas de couille, hein. C'est pas de couille. Ah, c'est ça, minerai de charbon. On va peut-être commencer par le minerai de charbon. Ce serait peut-être le moins bête possible, je pense. Donc ça va nous faire faire du charbon, non? On va regarder tout de suite. Ouais. Ce serait le moins bête possible. Et on va creuser en attendant. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va peut-être se. Ouais, on va peut-être se barricader au cas où la nuit tomberait comme ça d'un coup. Je pense pas qu'on soit dans le noir. Hop, et on va continuer de creuser. Peut-être qu'il y a quelque chose en dessous de nous. On va jamais creuser sous ses pieds. J'ai pas un truc pour le bois, moi. Non, j'ai pas. J'ai pas, putain. Y avait pas? Bon, au pire, on la fabrique. Au pire, on va fabriquer. On va en fabriquer deux. Et on va hacher le bois. Peut-être pas ici. Peut-être qu'il y aura rien, j'en sais rien, honnêtement, j'en sais rien. Honnêtement, ça m'étonnerait qu'il y ait quelque chose en dessous.
Mais qui sait? Alors franchement, je vois pas ce qu'il pourrait y avoir. C'est un peu bizarre comme concept de mettre un truc ici. Ou peut-être par là. Non, honnêtement, je vois pas. Je pense pas qu'il y ait quelque chose. On va remettre ça ici. Ensuite, on fera le fer. Puis on bougera. Puis on essaiera de voir par la suite pour le volcan. Mais je vous l'ai dit, c'est pas moi ma principale occupation et préoccupation. Donc ça va être un épisode un peu de latence hein, où ici je vais attendre beaucoup. Ça me ferait chier moi de bouger. On va peut-être essayer de s'aventurer juste là-bas et on reviendra avant la tombée de la nuit. On va regarder au-dessus. Hein. Il y a peut-être des zones ou des trucs sur les côtés. On sait jamais. Peut-être au sommet il y a un truc. Hein. Ça m'étonnerait fortement, mais on sait jamais. Non, il n'y a que dalle. Et du coup, je le vois pas, le volcan. Ici, il n'y a rien. Ici, peut-être là-bas derrière. Ouais, attention de ne pas tomber déjà. On va aller voir là-bas. Le soleil, il est où? Il est derrière mon dos. Ok, ça c'est fait. Il n'y a absolument rien par ici. Là-bas, ça a l'air d'être un truc aussi intéressant. On va aller voir ça de plus près. Faut pas oublier l'objectif qu'on est quand même là pour découvrir des structures. On en a découvert une hein, sur l'épisode précédent. Je rappelle le volcan et que rien ne m'oblige à aller dans la lave. Il y en a qui m'ont limite traité de boulet, tu vois. Alors que je suis pas là pour comment dire? Putain, c'est de la laine ça. Bah là, il y a de la pelle. À la pelle même. C'est quoi? Non, c'est de l'argile ça. Le soleil se couche. Et on va regagner notre coin. Comme ça, on va mettre le fer à cuire. Putain, il a faim, mon perso. J'avais pas de la bouffe en plus, ouais. Puis on va faire cuire la bouffe aussi. Ouais, le moins bête, ce serait quand même de faire deux fours. Hein. Je sais. C'est probable que je le fasse. On va se dépêcher. Avant que des créatures cheloues n'apparaissent. En espérant qu'il n'y en ait pas qui soient rentrés. Voilà. On va peut-être zéro notre lit ici. Attendez. Hop. Voilà, ça c'est fait. Good. Minerai de fer, on va le mettre là. On va prendre la moitié, on va foutre là. On va mettre notre lit. Normalement, ça devrait se faire durant la nuit, non? Un bon sommeil auprès du feu. Alors, voilà, on se lève. Ok, ça en a fait qu'un. Alors, putain, je pensais que ça aurait zappé le truc, mais non. Le sable. Alors, on m'a dit que. Il fallait que je creuse comme ça, par exemple, au hasard. Et que je mette ce que j'ai pas envie ici.
je fasse ça. Ouais, mais sauf que c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Faut faire comme ça. Et puis balancer le sable de bloc en dessous. Ok. Donc qu'est-ce que je ne vais pas garder? Les pousses de chêne. La redstone, je l'ai jetée alors qu'on m'a dit j'en aurais peut-être besoin. Potion de faiblesse, on va garder. Ça, on va garder. La cisaille, on sait jamais. Ça me servira peut-être un jour. Pomme de terre, on va garder. Les torches, on va garder. Voilà. Donc, hormis ça. Ok, putain, chaque fois, je fais la même chose. Non. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on va reprendre avec nous? Bon, on va reprendre ça. Le fer, on va faire pareil. Le cacao, on va garder. Les livres, on va les laisser là. La laine, j'en ai pas forcément besoin dans l'immédiat. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer? On a tout quasiment, hein. On a tout. On va faire un deuxième four pour aller plus vite. Qu'on puisse partir d'ici déjà. Va faire cuire la bouffe déjà. Ensuite, on fera les blocs d'or. Y a rien d'autre, hein. Puis la laine, on pourra la garder du coup. Hop, hop. Les bâtons, on en a là. Le bois d'acajou, on va le garder. Ça, j'ai dit oui. Je dis oui. Je dis oui. Je dis oui. Cacao. Voilà. La bouffe, ça c'est très important. Voilà. Il n'y en a pas énormément. Et puis on va essayer de chasser aussi, hein, mine de rien. On n'a pas grand-chose à bouffer. Hop. Le charbon, on garde. Hop. L'or. Ah, je suis bête aussi. Ça marche pas? Ah oui, c'est du minerai qu'il faut. Je suis un peu babache aussi parfois. On sait jamais, ça peut servir. Bon, on va prendre potion de dégâts. J'espère que ça va pas m'en infliger à moi. Potion de faiblesse, potion de poison. Allez, putain, il y en a encore. D'accord. C'était quoi ce bruit maléfique? What the fuck? Allez, il en reste plus beaucoup là. Et puis après, pendant au moins, on va dire une bonne semaine et demie, 2 semaines, il y aura plus d'épisodes sur Minecraft pour la simple et bonne raison que je serai absent. Et comme je souhaite faire la série en lisant vos commentaires, je ne peux pas me permettre de record de 12 000 épisodes à l'avance et puis de vous les balancer comme ça de temps à autre. Non, c'est pas mon style déjà. Et en plus de ça. Ben, après je dis pas sur les Call of Duty, GTA et tout, je peux me permettre de faire 10 épisodes en une journée et puis partir faire ce que j'ai à faire dans ma vie privée. Parce que YouTube ça reste tout de même, et avant tout une passion et un passe-temps. Je fais pas YouTube pour vivre de YouTube, déjà je ne vivrai pas, je serai mort. Et ensuite, c'est pas mon but. Et on a bientôt fini. Donc on va pouvoir avancer tranquillou. Et je pense pas d'éteindre d'où parce qu'on n'a pas de bouffe, on a que dalle. Allez, on va prendre les derniers. Voilà. Allez, il nous reste ça et c'est terminé. Ça, on récupère notre charbon, on récupère le lingot de fer. Voilà. Allez, go, c'est parti.
Qu'est-ce que j'ai laissé ici au cas où? Les deux livres, le blé, ah, ça va peut-être me servir avec ça. La pierre, on va en prendre 64. Et le reste, ça devra aller. C'est con que dans Minecraft, on puisse pas se faire un sac, justement. C'est un truc de survie, mais... ne serait-ce qu'un sac de transport pour augmenter l'inventaire. Je marche sur l'eau. Potion de dégâts. Ok. Ah ouh. En fait, c'est un truc qui se casse. D'accord. Bon, bah, au moins, ça fait une place de plus dans l'inventaire. Putain, ça fait une sorte de barrage ou je sais pas. Ah, il y a un coffre ici encore. Celui-là, on l'avait pas fait. Bah si, on l'a fait d'Alcaï. Putain, mais t'es con! Il n'y avait rien d'intéressant à part la pelle, mais bon. On va pas s'encombrer avec la pelle. J'ai pris le lit. C'est déjà pas mal. Donc là, ça me donne envie de m'aventurer ici et en même temps, je crains le pire. Ouais, les gens qui me disaient dormir comme ça en pleine nature. Moi, je veux bien, mais j'ai peur. Moi, c'est des mobs. En fait. Et pareil, vous me dites de grimper sur les lianes pour monter sur les arbres. D'accord. Mais si en haut je tombe, je fais comment? Vous connaissez, hein, je suis quand même le roi des fails, hein, si jamais. Hein. Moi, je veux bien vous écouter, hein, mais il y a des limites, hein, les gars. Oh, la pelle, c'est mieux. Ouais. Bon, on va continuer. Bah, ici, ouais. Oh shit, c'était quoi ça? Putain, c'est pire qu'un jeu d'horreur, ton truc. Et voilà. Oh putain de sa mère. D'accord. Putain, il y a des zombies dans le plus grand des calmes qui sont en train de cramer. Non, mais saute, saute! Hey, y a une poule. Qui dit poule dit. Voilà. Et non pas dit oie, ça n'a rien à voir. Putain, on va galérer ici, les gars. Bon, moi, si je retrouve le volcan. Bah, si je le retrouve, hein, bien évidemment. Je sais plus dans quelle direction c'était. Je crois pas que ce soit par ici, hein, honnêtement. Oh! Oh! Creeper. Ça va, je suis full terme de bouffe. Normalement, ça devrait remonter assez vite. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On a failli passer à côté du pire. Du pire tout pire même. De branche en branche. On regarde quand même, mais il y a l'air de rien y avoir par ici. Écoutez le bruit chelou. Oh mon Dieu, c'est quoi cette merde encore? C'est quoi cette merde? C'est quoi ce bruit? Moi, ça me dit une seule chose, bouge. Oh putain! Ouais, bah allez vous faire foutre. Enderman et compagnie là. Enderman et compagnie. Bon, on n'aura pas fait grand-chose dans cette aventure. Enfin, dans cette partie de l'aventure. Oh, il y a un cochon. Oh putain, il va falloir absolument que je le prenne.
Ah ouais, non, mais là, c'est obligé. Là, t'es obligé, mec. Oh oui, de la viande. Oh oui, de la viande. Oh oui, je peux pas la prendre. Magnifique. Va falloir se séparer de quelque chose. Cisaille, tant pis. Pas le choix. Pas le choix, les gars. Cisaille. Sans de la laine, j'en ai pas besoin absolument de suite. Est-ce que si je pose le lit ici, c'est faisable? Non, c'est pas faisable. Donc on va retourner là où j'ai tué le cochon. On va mettre là. Est-ce que je serai réveillé en pleine nuit ou pas? Non, magnifique. Putain, vous aviez raison. Et du coup, je sais plus dans quel sens j'étais. Pas ici, pas par ici. J'en sais rien. Allez, on va monter. Oh, une pomme! Ah putain, mais on peut pas. Le four. Tant pis pour le four. Le four, c'est pas la chose la plus importante là dans l'immédiat. On va essayer de s'établir dans un endroit. Potable. J'entends des bruits bizarres. Et on va se laisser après dans un endroit bien meilleur qu'ici. Parce que là, honnêtement, je suis paumé. Hein. Honnêtement, je suis paumé. La seule chose que j'ai envie, c'est de trouver un sol normal. Putain, mais grimpe, grimpe. Voilà. Putain, je peux pas vous laisser comme ça en pleine forêt, c'est pas possible. Ah, il y a peut-être quelque chose par là? Par ici peut-être. Bon, on va redescendre. Peut-être que je fais demi-tour. Hein. Vous me direz dans la vidéo, dans les commentaires. Hein, si pour vous j'ai fait demi-tour ou pas, parce que ça me semble chelou. Oh putain, ça m'énerve quand je suis bloqué comme ça. Oh shit. Bon, on va passer par ici. Ah, il y a un truc là. Oh, il y a un truc ici. C'est quoi cette texture? C'est chelou en tout cas. À mon avis, ça nous indique d'aller par là. On peut courir hein, du coup. Ou pas. Oh, il y a des maisons. Oh, il y a des maisons. Oh, on a trouvé. On a trouvé les habitats de forme je ne sais plus quoi. Je mettrai l'image en même temps. Ah oh, oui, on a trouvé. Oh, magnifique, on a trouvé la deuxième structure. Oh, GG. Bah écoutez, on va se quitter sur cette charmante demeure, sur ces charmantes demeures. Nous, on reprendra ici plus tard. Ça va être des vacances pour moi, quelques jours. Et puis... T'imagines, je serais mort. Et puis voilà. Bref, moi je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Et puis j'espère bah, que vous m'en voudrez pas trop. Qu'est-ce que c'est que ça? D'être aussi noob sur Minecraft, désolé. Hein, je suis pas comme certains youtubeurs plus axés Minecraft. Moi je touche à tout. Donc forcément, je ne peux pas être au courant de tout à la moindre mise à jour, etc. Donc je fais du mieux que je peux. On va regarder juste avant une des demeures là-bas. Qu'est-ce qu'il y a de bio? Oh putain. Ouais, ça va, ça va, ça va. Qu'est-ce que c'est? De la terre. Hop, hop. Voilà, personne viendra me faire chier. Quoique, on sait jamais. Bon, les gars, je vous dis à plus tard. Et puis, ciao tout le monde. Bon game à tous. J'espère que le prochain épisode sera plus riche en émotions. Que je trouverai encore d'autres choses. On a déjà deux structures sur cinq. C'est déjà pas mal. On a pas mal avancé. Alors, les autres, je ne sais pas où elles sont. Le but principal, c'est de trouver les structures. Pardon. Pour ceux qui me disaient, ouais, dans le volcan ceci, dans le volcan cela, c'est pas grave. C'est pas la chose la plus importante pour cette série solo. Il y aura une série en multi, en coop, pardon, avec d'autres personnes. Je verrai comment je ferai ça à mon retour de vacances. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Bon game à tous.